Restons dans la région du Sud-Ouest, précisément dans la commune de Copère, pour évoquer les préparatifs de la Semaine nationale de la culture Bobo 2024 avec la troupe Sankoumou Pobé de Baboura. Qualifiée en chœur populaire, elle multiplie les répétitions pour un éventuel sacre à Bobo 2024. Instant répétition avec Issa Kazabri et Sié Judicael Poura. Défendre la tradition par la culture et à travers le cœur populaire, c'est le leitmotiv de la troupe Sankoumou Pobé de Baboura. Sankoumou Pobé, où les femmes de la tradition mettent les bouchées doubles pour réussir à la SNC. Elles se tablent sur ce qu'elles savent faire de mieux, la culture par le chant, et les thèmes développés sont à l'orée du traditionnel et de l'actualité. Non. Les enfants ne se préoccupent plus de la culture. Nous avons eu l'initiative, il y a 7 ans de cela, de créer ce chœur populaire pour attirer les jeunes. Les attributs des femmes d'Agara tendent à disparaître. Chez les hommes aussi, les épis de mille avec leurs symboles n'existent même plus. Avant, on cultivait. On n'avait pas faim, on ne souffrait pas. La chanson invite les jeunes au retour à la terre. Nous chantons pour les VDP, les FDS et le président Ibrahim Traoré. Le chœur populaire est un art oratoire pour passer des messages en lien avec la culture. Elles entendent se défendre sur la scène de la 21e Semaine nationale de la culture dans la catégorie chœur populaire. Avec ces dames, sur le plan technique, nous participons aux entraînements. Voilà, nous leur donnons des conseils pour pouvoir bien faire une prestation. Pour les répétitions, on s'entend, on fixe le jour et l'heure, on s'arrange pour que tout le monde soit à l'heure. Pour rester concentré, même pour se doucher, on le fait ici. La conjugaison des voix et des battements de mains au parfum du rythme et de l'habillement d'Agara pour conquérir le sommet de la Biennale de la culture burkinabé est l'objectif de ces femmes.